familiar, sound that someday. You know I'm in the building when I write this way. Put me in the crown when I bite this game. Bitch, I'm an animal. Eating these rappers, I swear I'm a cannibal. Got to fulfill all my dreams, I'm a fiend. I've been plotting this game. Ça va. Et à un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. Moi, je suis ni Booba, je suis ni Dan Daniel Sam. Je suis pas tous ces gars-là. T'es prêt ou quoi? Moi, je fais du ping-pong. Les gens, ils croient que c'est... Voilà, mais... Quand on s'entraîne hard. C'est ce que je veux dire. Le truc des madeleines, là, tout ça, tu mets du crachat dans les madeleines. Va mettre du crachat dans mon dombré. Va mettre du crachat dans mon boudin. Va le mettre dans mon boudin, le crachat. Ouais, frère. Si tu veux jouer avec moi, je suis là. Sur le terrain. C'est ce que je veux dire. Allez, remballe. My shit right now. Right now. Ain't nobody fuck around town right now. Ain't nobody fucking with the sound right now. Ain't nobody fuck around town. My shit right now. Right now. Right now. Ain't nobody fuck around town right now. Ain't nobody fucking with a sound right now. Ain't nobody fuck around town my shit right now. Et non, c'est pas ce genre de vidéo. Par contre, je voulais revenir sur cette histoire là avec Patrice. Patrice, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça, Patrice? T'as déjà fait ça une fois. T'as fait tout ton truc, les courts-métrages, tout ça avec Daniel Sam, tout ça. Les conférences de presse. Les vidéos sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. T'as fait tout ça. Tu t'es habillé en clown, ça veut dire que tu as été chez le marchand et tu as acheté un costume de clown. Tu as pris un billet jusque là-bas en Angleterre. Pour aller provoquer le gars avec une tronçonneuse. Pourquoi? Il est tombé comme du n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Là, je te comprends pas. Je comprends pas le délire, mon frère. Pourquoi maintenant que tu as fait tout ça, que tu t'es fait déboîter? En plus, t'étais sur les radios. Ça, j'avais oublié ça. T'étais sur les radios. Tu recommences. Que tu fasses toutes tes histoires là avec Booba, tout ça, là, parler de sa femme, tout ça, etc. Booba, là où il est à Miami, il va jamais venir jusque là pour se taper. Et surtout pour se faire casser sa bouche. Parce que concrètement, Booba, il a fait un petit peu de box time, mais... C'est un rappeur, quoi, c'est pas... Attends, au pire, il va se taper avec moi, parce que avec la fouine, il prend pas beaucoup de risques. Mais il va pas venir prendre un billet jusqu'à Miami pour se faire casser la gueule. Ça n'a pas de sens. Je comprends. Voilà. Donc là, t'as pas retenu la leçon. Non, je suis désolé, il faut le dire. T'as pas retenu la leçon. Non. Parce que là, t'es en train de recommencer la même erreur. Sauf que là, t'es pas avec la même personne. C'est pas avec la même personne. Autant j'ai bien aimé Daniel Sam, bon, il a pas beaucoup parlé, il a fait son truc, il t'a laissé parler, il t'a juste traité de clown, mais sinon, voilà, le gars il s'est entraîné, il a montré ce qu'il avait à montrer sur le ring, point. Thug Life, mon pote, Thug Life. Il a balancé ses steps, on n'en parle plus. Là, c'est un américain, là, mon pote. Le gars il va faire le show. Et il va pas accepter d'être venu jusqu'en France pour se faire déboîter. Non. En plus, le pire, c'est que tu représentes tes Antilles, mon gars. Ça, c'est un truc que j'étais même pas au courant, tu vois. On n'a pas assez de problèmes comme ça. Non, sérieusement, on n'a pas assez de problèmes comme ça. Fais ton entraînement. Pas les gars. Point. Non, toi, il faut que tu ailles dans les conférences de presse. Il faut que tu fasses le mariole, que tu dises au gars que tu vas le défoncer. Tu as vu le gars. Est-ce que tu as vu le gars? Toi, tu fais 2 mètres. 120 kilos, un truc comme ça. C'est une chose. Le gars est plus petit que toi. Tu l'as déjà appelé. T'as déjà appelé le gars. Comment tu l'as appelé? Tu l'as appelé le nabo. La tête d'un nabo. Il a la tête. Parce qu'il est plus petit que toi, il a la tête d'un nabo. Mon frère, tu veux dire. Le mec là, j'ai été voir, j'ai suivi. J'ai suivi. Regarde juste un de ses entraînements. Un seul des entraînements. En plus, t'as été dire que le gars n'est pas rapide. Que le gars est trop lent. Et le pire, c'est que t'enchaînes. Tu clashes le gars, tu l'enchaînes. Ouais, t'es trop moche, etc. Et sûr. Moi, sincèrement, que toi, que tu me balances un truc comme ça.
avec ton nez en forme de toboggan. Enfin, je peux pas, moi, je peux, moi personnellement, j'aurais pas pu accepter. Moi, dans le combat, je peux pas trop, mais au truc là, je t'aurais brûlé. J'aurais brûlé toi, j'aurais brûlé. De toute façon, au niveau du clash, les clashs qu'on voit sur YouTube, c'est pas trop ça. Nous, on est dans l'ombre, on vous dit rien. Tu vois, on regarde les vidéos, on vous laisse faire votre buzz. Au niveau du clash, c'est pas trop ça. Les montages, les trucs. Arrêtez ça. C'est pas votre domaine. Restez dans votre domaine, le rap, le fight, tout ça. Laissez tomber le clash. C'est pas trop ça. En tout cas, Patrice, le gars là, c'est pas Daniel Sam. Daniel Sam était déjà fort. Je dis pas ça parce qu'il t'a battu, attention, je dis pas ça parce qu'il t'a battu. Mais là, t'es en train de parler à un gars, je sais, j'ai. Le gars mange des tracteurs. Le gars mange des tramways. C'est obligé. C'est un Avenger. Tu vas provoquer le. Moi, il y a un moment donné où je peux plus rien faire pour toi, mon gars. Je peux plus rien faire pour toi. C'est mal. Ce combat-là, là, t'as intérêt à le gagner. Parce que là, j'ai vu que tu avais dit, ouais, si je perds ce combat-là, cette fois-ci, j'arrête ma carrière. Moi, je pense que c'est ce que tu veux, hein. Au fond de toi. Au fond de ton cœur. C'est ce que tu veux. Tu veux arrêter ta carrière. Et le truc, c'est que, arrêter ta carrière dans quoi? Arrêter ta carrière dans quoi? Parce que là, tu vas arrêter ta carrière dans la vie, là. Tu sais, le premier contrat que tu as. La vie, que l'entretien, c'est quand tu dois faire une course d'air, entrer dans une bulle, et après tu. C'est ce contrat-là, tu vas être licencié. Hein. Tu vas être licencié et tu vas perdre toutes tes dents. Moi je trouve que c'est pas un bon investissement, hein. Tout ce que tu fais là, c'est pas un bon investissement. Crier sur tous les toits que tu vas défoncer le gars, etc. Et. Bon! On va récapituler. Bon, moi, j'ai décidé de te donner les trois conseils là. De 1, ne parle pas avant. Ou si tu parles, tu dis que tu es confiant, etc. Tu peux le mettre minable, tu vois ce que je veux dire? 2, quand tu as pas toutes tes dents, arrête de sourire tout le temps. Arrête de tout le temps montrer tes dents. Tu souris comme ça, tu vois. Fait. Mais, histoire de sourire, là, Patrice, tu nous vois, tu crois qu'on sourit comme ça sans avoir fait l'appel? Mais non, il faut faire l'appel pour voir si elles sont toutes là. Toi, tu viens, t'arrives, tu souris, te manques des chicots. Qu'est-ce que tu crois? Et le troisième conseil, ain't nobody fucking with American nigga. Nope. Ils sont déjà trop loin, les gars. Ils sont entraînés pour tous les sports, les gars. Bon, en tout cas, voilà, bon. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Enfin, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. C'était en toute amitié, hein, Patrice. Pas la peine, on va pas rentrer dans une histoire de clash, tout ça. Enfin, c'était en toute amitié, t'es pas méchant, on vient de la même île, tu vois, on va pas. Tu vois, France Antilles, tout ça, on va pas. Tu vas pas venir chez moi, hein. Ne viens, de toute façon, je suis pas là. De toute façon, si tu veux venir, moi je suis en Australie en ce moment. Voilà, je suis en Australie, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux faire 2 mètres, hein, tu peux enjamber si tu veux, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas maintenant. Donc j'en ai rien à foutre. Bon, j'espère que vous avez kiffé ma dernière vague. Pour moi, c'était un kiff. En tout cas, des pour vous. Soyez dingues et surtout restez. Oh yeah!